Dès 8h30, 130 riders en lice pour les 8 km de paddle. Un parcours lagonnaire depuis Paofei, direction Punavia pour une arrivée au parc Verhey. Et dès le premier kilomètre, les rameurs les plus véloces se détachent rapidement. Au niveau du début de piste à Faa, on retrouve un Moeho Swap en pleine forme. Il n'hésite pas à prendre les choses en main dans le groupe de tête. Il menait à partir de l'aéroport jusqu'à la dernière bouée. Et au niveau de la dernière ligne droite, il y a des vagues bateaux qui m'ont gêné. Du coup, j'ai perdu l'équilibre. Voilà, il m'a fait perdre la première place. C'est sûr, derrière, on veille au grain avec Henry Harris. Plus à l'aise dans la gestion de l'effort dans ce genre de conditions, il profite au maximum des moindres clapots de bateau pour imposer son rythme. Je voyais déjà depuis le début, le copain il a un peu du mal quand ça bouge un peu. Du coup, quand j'ai vu déjà que ça commençait à bouger, ben, j'ai décidé d'envoyer. J'ai entendu les tomber, du coup, ben, j'ai fini ouais, tranquille, c'était top. Et au finish, Henry impose sa puissance dans les derniers mètres, 51 minutes au chrono. 30 secondes d'écart avec Moeho Swap, relégué à la deuxième place. Une victoire sereine, même avec un contrôle antidopage au bout. Une initiative du comité organisateur pour la deuxième année consécutive. On voyait déjà l'année dernière qu'il y avait ce genre de choses. Et ça, fait, enfin, ça rassure aussi les athlètes. Tu vois. C'est la personne qui vient qui a des trucs qui permettent de développer d'autres performances. Tout le monde vient, tout le monde est neutre et tout le monde est au même niveau. Quoi. Cette année, nous ne faisons que des contrôles préventifs. Ce ne sont pas des contrôles officiels qui devraient partir à la FLD, hein, là, au laboratoire. C'est des contrôles préventifs, des tests rapides. Si éventuellement il y a des tests positifs, c'est la Ligue, la Fédération qui prendra les sanctions nécessaires. A noter que les contrôles se poursuivront sur les autres courses de la journée avec le prone et la course élite de 24 km où s'affronteront les meilleurs Eito du Fénois avec les internationaux. Les bateaux évitent de couper la course.